On prépare un gâteau d'anniversaire. Le four a une puissance de 2000 watts et le temps de cuisson est de 50 minutes. Question: que nous coûte la cuisson du gâteau, au point de vue électricité, si le tarif du jour est de 0,35 euros par kilowatt-heure? Indiquons d'abord les données. La puissance P du four est de 2000 watts et le temps T est de 50 minutes. Le prix unitaire est de 0,35 euros et ce, par kilowatt-heure, comme ceci. Ce qui est demandé, c'est le prix de l'électricité consommée. Pour énergie et puissance électrique, nous avons ces trois formules à notre disposition. Nous cherchons l'énergie, connaissant la puissance et le temps. Donc, cette formule P égale E sur T donne E égale P fois T et est donc idéale pour trouver cette énergie. L'énergie consommée, nous la calculons en kilowatt-heure parce que le prix unitaire est donné par kilowatt-heure. Donc, il nous faut d'abord la puissance en kilowatts. 2000 watts, c'est 2 kilowatts. Et il nous faut le temps en heure. 50 minutes, c'est 50 soixantièmes d'une heure. Donc, pour trouver l'énergie consommée exprimée en kilowatt-heure, il suffit de multiplier ce 2 par cette fraction 50 soixantièmes. Et ce produit, ça donne 1,67 kilowatt-heure. Donc voilà l'énergie consommée exprimée en kilowatt-heure. Pour trouver le prix à payer, il suffit de multiplier ce 1,67 par le prix unitaire 0,35 et ce produit donne 0,58 euros. Donc, la réponse finale à la question posée, c'est que le prix de l'électricité consommée est de 0,58 euros.